Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 3 juin 2024 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier Lepardie, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Pau et Guylaine Lefrançois, et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Est également présente la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington Refière. Les membres présents à l'ouverture font le quorum et la séance ordinaire du 3 juin 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux gens qui sont présents ici ce soir parmi nous. Je salue également les gens qui vont assister à la rencontre via le Zoom là, en direct et ceux et celles qui vont regarder aussi la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, j'attire votre attention. Attention au point 12 qui est le Varia. On a deux points de plus qui n'étaient pas là lors de l'affichage. Donc, il y a un ajout 12.1 qui est l'autorisation de la tenue d'un événement festif, festival qui est latino. Et 12.2 qui est le personnel autorisé à l'application de la réglementation prévention incendie. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte le règlement 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil et que les membres du conseil en ont connaissance et que vous renoncez à sa lecture, donc j'aurais besoin d'un proposeur ou d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 4.1 qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Donc, considérant que les membres du conseil en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, M. Éric Martineau propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai 2024. Donc, considérant que les membres du conseil en ont pris individuellement connaissance et qu'ils renoncent à la lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. M. Maxime Robert, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai soit adopté tel que présenté. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder au 5.1. qui est en réalité les comptes généraux, donc les dépenses là, pour la période du 31 mai, du 1er au 31 mai. Donc, comme à l'habitude, on identifie toujours les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, la régie de l'assurance l'assainissement des eaux de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer, le deuxième versement sur 4 pour 92 374,75. Morancy, société avocat, donc honoraire de recouvrement et de cours municipal, on en a pour 5 681,22. Fédération québécoise des municipalités, donc honoraire pour les évaluations là, pour la rue du couvent, de l'église et de l'eau potable, on en a pour 8 524,18 sous. Après ça, nous avons Réal UOT là, des pièces du réseau d'aqueduc pour 7 628,75 sous. Nous avons également la collecte des matières résiduelles. Là. Donc, 31 459,56 sous. Nous avons excavation La Fontaine du sable mélangé pour 6 481,65 sous. Et des fugères dont la location de conteneurs à l'éco-centre, il y en a pour 20 816,22. Nous avons aussi évaluation du débit d'étiage de la rivière sur la puce. Donc, le coût d'évaluation était de 7 933,28. Après ça, il y a l'Agence du revenu du Canada, 17 473,93. Revenu du Québec, donc 47 521,33. Hydro-Québec, 15 633,74. Les assurances collectives pour le mois de mai 2024, 11 590,24. Et nous avons des achats qui ont été faits avec la carte de crédit Visa, là, qui est des fournitures de bureaux, des pièces mécaniques, là, puis il y a eu de la formation. Donc, pour 5 163,40 sous. Donc, ce qui totalise en réalité les coûts là, pour le mois de mai de 361 543,31. Les salaires pour le mois de mai 2024 qui est de 17 011,68 sous, pour un grand total de 378 554,99 sous. Donc, considérant que le conseil prend en considération la liste des comptes à payer au 31 mai, considérant qu'à partir de l'article 477-2
de la loi sur les sociétés civiles, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense elle doit l'indiquer dans un rapport. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose, M. le maire. Madame Guylaine de François propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 378 554,99 $ pour la période qui se termine au 31 mai 2024, incluant les salaires, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et trésorière à signer tous les documents afférents. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 5.2. Je vais passer la parole à M. Martineau. Merci, M. le maire. 5.2. Autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant que la ville de Château-Richer, par sa résolution 2024-0403-036, adoptée lors de la séance du 4 mars 2024, a transmis au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la MRC le 13 juin 2024 à 10 h. Considérant qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal, lorsque les immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le conseil. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale ou en son absence la trésorière lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 13 juin à enchérir pour et au nom de la ville jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais pour plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et acquérir au nom de la ville tout immeuble de son territoire mis en vente. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, Mme Lafrançois. Oui, alors, paiement de la quote-part 2024 concernant l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré. Donc, en réalité, c'est un ajustement du budget révisé à la baisse. Alors, on doit le présenter. Il y a comme deux résolutions, c'est la même chose finalement, mais ça lui prend deux résolutions. Enfin, c'est pour ça qu'on va le répéter à 5.3 puis 5.4. Alors, considérant le dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2024 de l'Office, dont la part de 10 % du déficit prévu pour la ville de Château-Richer s'élève à un montant de 8 571. Considérant le dépôt des états financiers pour l'année 2023 de l'Office, dont la quote-part de 10 % prévue était de 11 278. Alors, ça va être 8 571 à la place. Donc, je propose d'accepter les états financiers 2023, comportant un solde créditeur de 1983, d'accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2024 et d'autoriser le paiement d'un montant de 6 588 pour l'année 2023-24. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4, Mme Lafrançois. Oui. Alors, budget révisé en date du 3 avril. C'est ça? Oui. C'est ça. Alors, considérant le nouveau document présentant le budget révisé de l'Office, indiquant le même déficit à payer pour la Ville, soit un montant de 8 571, considérant que le conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget et tout budget révisé, je propose d'accepter le nouveau budget révisé pour l'année financière 2024 de l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.5, Mme Lafrançois. Oui, toujours dans la même ordre d'idée, en réalité, c'est que ça nous prend des résolutions autant pour OMH que pour nous. Alors, budget révisé au 22 avril 2024. Alors, considérant le nouveau document présentant le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, indiquant le même déficit à payer, soit par la ville, un montant de 8 571, considérant que le conseil municipal se doit par résolution d'accepter le budget et tout budget révisé, en conséquence, je propose d'accepter le nouveau budget révisé pour l'année financière 2024 de l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.6, M. Robert. Merci, M. le maire. Donc, approbation du règlement d'emprunt numéro 2024-25 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Beauchâtel-Lange-Gardien, Château-Richer, où je siège en compagnie de M. Richard. Donc, considérant que la Régie a adopté le règlement d'emprunt numéro 2024-25 lors de son assemblée régulière tenue le 21 mai 2024,
Considérant que les membres du conseil de la ville de Château-Richer ont pris connaissance du contenu du dirèglement de la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Langevin, Château-Richer, en conséquence, je propose d'approuver l'adoption du règlement d'emprunt de la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Langevin, Château-Richer, décrétant une dépense et un emprunt de 2 549 000, remboursable sur 15 ans, pour des travaux de mise à niveau d'équipement à l'usine des eaux usées ainsi que des travaux de réfection de la toiture et du revêtement extérieur. Merci. Avant qu'on vote, je pourrais juste préciser, M. Oui. le maire, oui. que selon l'entente intermunicipale là, qui date de 1993, là, votée par le conseil de M. Laplante, bien, Château-Richer a à ramasser 19,11% de la facture de toute rénovation importante à l'usine. Lange-Gardien, 28,6% et Bois-Châtel, 52,29%. Donc, en ramassant 19% de la facture, on se ramasse avec des remboursements annuels pendant 15 ans de 47 885,84. Donc, c'est la conséquence pour nous. Donc, maintenant, on peut voter. D'accord. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Le point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Donc, je vais passer la parole à Mme Christine Plou. Ben oui, merci beaucoup. Donc, en cette belle journée de juin, là, il me fait plaisir de vous dévoiler différentes de nos activités estivales qui vont avoir lieu cet été. Donc, d'abord, sachez que les inscriptions pour les cours de natation sont en cours présentement. Ça a lieu à notre piscine municipale à partir du 25 juin. Puis, toujours possible de s'inscrire sur Kidiko et jusqu'au 6 juin. Ensuite, bonne nouvelle pour ce qui est de notre site des loisirs. Là, tout d'abord, les jeux d'eau sont accessibles depuis vendredi 31 mai. Et la piscine ouvrira le 15 et 16 juin dès 13h. Donc, déjà, ça va être déjà parti à partir du 15 juin. Ensuite, en ce qui concerne notre fête annuelle de la Saint-Jean-Baptiste, celle-ci va se dérouler le 23 juin de 15h à 23h au site des loisirs. Il y aura plein de choses, l'animation, des activités, des jeux gonflables, mini-potes, des jeux géants. Il y aura aussi la présence du food truck Frites à l'or. Puis, à partir de 20h, ben, il va y avoir d'autres types d'activités, donc chansonnier, feu de joie un petit peu plus tard en soirée et feu d'artifice aux alentours de 22h. Finalement, il y a notre traditionnel cinéma plein air qui va se dérouler le 16 août prochain. Donc, comme dans les dernières années, ben, vous êtes amené à voter pour votre film préféré sur notre page Facebook. Vous faites le tour. Ben, merci beaucoup. De mon côté, je vais vous parler de l'horaire d'été 2024, les heures d'ouverture du bureau. Donc, à partir du 24 juin jusqu'au 30 août, le bureau va être ouvert pour l'horaire d'été de 7h du matin à 15h l'après-midi. Ça va être inscrit également sur la page Facebook là, et sur la page web de la ville. Et j'aimerais vous parler aussi de règlement d'emprunt qui aurait lieu, qu'on va discuter mercredi cette semaine, parce qu'on va parler d'un règlement d'emprunt qui concerne le remplacement de certains véhicules. Lorsqu'on est arrivé ici en mandat, on avait fait le tour de tous les véhicules qui étaient en place. Puis il y a des voitures qui datent de 2011, de 1994, de 2010. Donc, on va procéder à des remplacements. On va procéder à l'achat de deux camions, un camion RAM là, 3500 qui va remplacer en réalité là, un Freightliner 1994. On va l'équiper d'une pelle avec une boîte de sel et de l'équipement là, de signalisation, tout ça. On va également acheter là, un autre pick-up là, pour l'usage des gens, là, pour remplacer un autre Canyon 2010 là, qui est rendu en fin de vie également. Donc, on va procéder à ces achats-là, donc avec toute la signalisation qu'on a besoin dessus également. Puis les deux camions, ça va être des camions diesel. Après ça, on va acheter aussi des 4 roues, parce que celui qu'on a présentement, il date de 1986, puis il a besoin de beaucoup de réparations. Donc, on va vous en parler, c'est un Kawasaki, mais on va le changer pour... on va acheter un Kawasaki, on remplace un Honda. Et on avait besoin aussi d'un trailer, là, pour d'une remorque là, qu'on peut baisser pour embarquer l'équipement dessus aussi, pour les transporter là, d'un endroit à l'autre pour le travailler. Présentement, on a vu souvent des fois des gens circuler dans le chemin avec le rouleau compresseur, des choses comme ça. Là, donc, c'est pas sécuritaire, ça répond pas aux normes non plus. Puis on perd du temps ces choses-là, puis on fait vieillir tous nos appareils plus rapidement. Donc, on va procéder à ces remplacements-là aussi. Donc, un balai qu'on va acheter également pour mettre sur le tracteur Kubota, donc un balai là, pour nettoyer les trottoirs, nettoyer les routes là, de Saint-Achille et durant Saint-Ignace, c'est de la route de Saint-Achille. Et on va ils vont permettre aussi de nettoyer les trottoirs. Puis on va acheter aussi une espèce de tondeuse qui va se greffer au tracteur là, pour
nettoyer les côtés du chemin. Ce qu'on donnait, ces deux items-là que je viens de parler, c'est des choses qu'on donnait en appel d'offres. Donc, au lieu d'aller en appel d'offres, ça coûte à peu près 20 000 $ par année. On va acheter l'équipement plus tôt, puis ça va être pérenne, puis c'est tout l'équipement neuf qu'on achète. Donc, il y a un gradeur qu'on va acheter aussi qui va remplacer un gradeur qui date des années 1980, c'est ça. Donc, il y a déjà 44 ans, là, donc on va le remplacer également, puis un rouleau compacteur qu'on va remplacer. Donc, on va aller, on va vous présenter les choses la semaine prochaine, ben pas cette prochaine, mais cette semaine. Il va y avoir beaucoup de rencontres extraordinaires qui vont avoir lieu parce qu'on est en train de déposer tous nos dossiers aussi au niveau du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, puis... on doit aller en appel d'offres pour des travaux. Là. Donc, c'est dans les semaines qui s'en viennent, il va y avoir là, d'autres rencontres extraordinaires là, qu'on va vous annoncer et qu'on va vous faire part également. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Roberge. Oui. La première chose, j'ai deux sujets. Donc, le samedi qui s'en vient, 8 juin, deuxième édition de la corvée au parc riverain des Beaupré. Donc, c'est un terrain qui appartient toujours au ministère des Transports du Québec. Il y a un comité qui est là depuis des années. Donc, c'est la corvée de nettoyage. C'est l'occasion aussi de rencontrer du monde puis d'avoir un très bel endroit là, qui est méconnu. On demande aux gens de se stationner au rond-point de la rue Lemoine. Là. C'est le seul endroit pour se stationner puis accéder par le trottoir au parc riverain des Beaupré. Donc, entre 9h30 et 15h l'après-midi. Donc, je serai là, je vais faire un tour. Deuxième événement, c'est le 14 juin, le défi Pierre Lavoie va passer chez nous. Donc, il y aura beaucoup de vélos en ville pour faire changement. Ce sera le départ, se fait du PEPS de l'Université Laval à 10h53, puis il prévoit le retour là-bas à 16h09. C'est des boucles cette année, c'est le fameux 1000 km que M. le maire a fait l'année passée, en partant du Saguenay, puis en s'en allant à Montréal. Là, cette année, tout le monde est basé au PEPS. Puis ils font des tours comme ça pendant la semaine un peu partout dans la grande région de Québec. Donc nous, on passe le 14 juin dans l'après-midi. Donc les gens vont prendre l'avenue Royale à l'aller, faire le tour du Petit Cap, que tout le monde connaît bien, les cyclistes dans la salle, et puis on revient après ça par le boulevard Saint-Anne. Donc chez nous à Château, c'est avenue Royale et retour boulevard Saint-Anne. Donc on demande aux gens d'être prudents puis de respecter là, la signalisation des policiers qui vont être là pour encadrer tout ça, mais... c'est un bel événement. Là. Je rappelle que ça a ramassé l'année passée en 2023. Et M. le maire a donné un coup de main là-dessus. Là, 3,4 millions pour les écoles du Québec, les équipes, là, normalement, comme on dit, des écoles primaires. Notre école a eu une part du gâteau l'année passée. Donc, c'est quand même 3,4 millions que ces gens-là ramassent pour nos enfants. Fait que on leur souhaite la bienvenue. C'est bon. D'accord, oui. C'est réglé la corvée. C'est réglé. J'en ai parlé. Okay. C'est vrai que là, c'est un petit prochain. C'est Mme Lefrançois. Avant de passer la parole à Hélène, Mme Lefrançois, j'aimerais dire aussi que le règlement d'emprunt qu'on va faire et qu'on va vous annoncer, là, ce règlement d'emprunt-là pour les voitures, là, il va y avoir aussi un registre de vote à tenir. Parce que lorsqu'il n'y a pas de subvention dans des règlements d'emprunt, on doit aller toujours avoir un registre de vote à faire auprès des gens. Donc, on doit demander parce que les gens peuvent demander un vote puis refuser qu'on fasse le règlement d'emprunt puis qu'on achète. Ça fait partie de la démarche démocratique, si on veut. Là. Ça fait partie aussi des règles au niveau des lois municipales. Donc, on tient à vous dire qu'il va y avoir un registre de vote qui va être tenu pour ça. Mais le matériel qu'on achète, c'est pas du matériel qu'on achète pour rien, mais c'est du matériel qu'on a besoin. Ce que j'aimerais préciser également, lorsqu'on était arrivé en mandat, il y avait à peu près 9,5 millions de dettes là, au niveau d'emprunt au niveau de la ville. On peut appeler ça des dettes, c'est des choses, je pense, qui étaient nécessaires. Puis on est encore dans ce même ratio-là, puis même avec ces achats-là, on va demeurer dans le même ratio parce qu'il y a des règlements d'emprunt qui vont se terminer pour décembre 21. Fait qu'on joue pareil, malgré les achats et les travaux qu'on a faits, on joue quand même dans 9,5 millions au niveau de nos règlements d'emprunt. C'est parce que tu as dit décembre 21, mais c'est décembre 24. Excusez-moi. C'est bien correct. C'est bon. Excusez-moi. C'est parfait. Corrigez-moi, c'est bien. Donc, c'est pour décembre 24. Madame Lefrançois. Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, je mentionnais que ça me fait vraiment plaisir. Dernièrement, je me suis joint au comité des loisirs. Alors, je vais y aller avec tout mon enthousiasme et mes idées aussi, puis collaborer entièrement avec les membres du comité. Donc, pour faire un ajout à ce que Madame Christine a dit tout à l'heure, moi, j'aimerais ça rappeler à toutes les infrastructures, finalement, qu'on a à la ville, dont les gens peuvent en profiter l'été. En fait, il y a... Rappelons qu'à la rue La Fortune, il y a le parc Oasis des Jardins. On a le jeu d'eau, la piscine, comme il a été mentionné tantôt. Mais on a aussi un super de beau terrain de tennis, là, vraiment éclairé en plus. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Le skatepark, le parc canin, le terrain de soccer.
pistes de BMX, terrain de pétanque, deck hockey. Puis moi, je me disais, parce que j'aime beaucoup les pique-niques, fait que je vais le mentionner, vous pouvez aller faire un beau pique-nique sur le site des loisirs. Puis pourquoi pas prendre le temps d'aller en haut de l'escalier, maintenant appelé le défi du roi. Donc, il y a une vue vraiment exceptionnelle. Si vous n'y avez pas été, je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Là, c'est incroyable la vue. Donc, profitez vraiment. Puis même à ce lien piétonnier-là, les escaliers, ça peut même servir à une petite mise en forme, si on veut. Il y a un défi à réaliser là, finalement. Donc, on vous invite à visiter aussi la bibliothèque. C'est enrichissant toujours d'aller à la bibliothèque. Puis vous avez aussi pour le trois couverts, il ne faut pas l'oublier, si vous avez le goût de connaître plus l'histoire de Château-Richer, la Côte de Beaupré, ils ont vraiment toutes les informations qui sont là aux archives. Fait que c'est vraiment plaisant d'y aller, puis d'encourager aussi ce super beau site-là qui est chez nous, en plein cœur du village. Alors, on vous invite à profiter de tout ça. Fait que bel été à vous tous. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Karine Rington pour nous parler de l'alerte de masse. Oui, c'est rare, mais dans le fond, oui, on voulait faire un rappel aux citoyens et citoyennes là, de s'inscrire sur notre site alerte et notification de masse. Donc, s'il y a des inondations, bon, des trucs d'urgence et ou pas, là, il y a plusieurs trucs à lesquels on peut s'inscrire. Donc, le faire. Puis aussi, je sais qu'il y avait un problème au niveau du nouveau développement. Là, les adresses n'étaient pas entrées dans le système, mais maintenant, c'est supposé être réglé. Donc, on invite les gens là, du nouveau développement à essayer d'aller s'inscrire. Puis si ça ne fonctionne pas, vraiment, de téléphoner à la ville, là, c'est pas normal. Ça devrait fonctionner. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Bonsoir. Jimmy Saint-Hilaire. J'aimerais savoir si la ville de Château-Richer veut aller de l'avant avec la fameuse surtaxe que tout le monde parle, la surtaxe d'immatriculation des véhicules à la SAAQ là, pour le transport en commun. J'aimerais savoir si c'est quelque chose que la ville de Château-Richer prévoit faire. Ben, je ne pourrais pas me prononcer sur ce point-là parce qu'on en a parlé, on n'en a pas parlé à l'équipe du conseil, mais ça ne faisait pas partie de nos plans, ça ne faisait pas partie de nos intentions, comme on se parle. Là, mais il faut qu'on se penche là-dessus, là, vous l'apportez, il faut qu'on y pense. On n'a pas pensé à ça. On ne s'était pas arrêté sur ça. Autre chose, j'ai vu que vous aviez installé des panneaux pour les vélos. Merci de les avoir installés, c'est vraiment apprécié. Juste une chose, il n'y aura pas eu moyen de les mettre juste un petit peu plus gros, parce qu'ils sont vraiment minuscules. Honnêtement, je l'ai déjà dit, là, les cyclistes ne voient même pas les stops, mais là, c'est plus petit qu'un stop. Puis on en voit encore des vélos. Là, on leur dit qu'il y a des panneaux, puis de respecter la signalisation que vous avez instaurée. Mais ils font toutes la même réponse, on les a pas vus. Il n'y aurait pas moyen juste de les grossir un peu? Ben, pour les grossir, la réponse est non. Nous, on a fait une consultation auprès du ministère des Transports. On a regardé un peu les différents types de panneaux, puis qu'est-ce qu'on fallait mettre pour signalisation aussi. Fait que même si les panneaux sont plus gros comme les stops, comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui ne font pas le stop, même s'il y a des stops. Il y a des panneaux assez gros qui disent que c'est 50 km à l'heure, puis il y a des gens qui roulent plus que 50 km à l'heure. Fait qu'on a beau mettre le panneau la grandeur que vous voudrez, un 4x8, les gens vont faire ce qu'ils pensent qui est correct. Puis dans les fêtes, ben, nous, ce qu'on demande aux gens, en bout de ligne, je vais en profiter pour demander aux gens d'être courtois, puis de partager la route, puis d'être prudent l'un envers l'autre là-dedans, puis faire attention, puis de respecter la signalisation. Allez là, elle est annoncée qu'il va y avoir une signalisation qui est interdite en plus, donc on ne peut pas faire plus que ça, à part que de prendre les gens par la main et aller lui montrer les panneaux, sinon on n'arrivera pas là. Fait que moi, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, puis on va se fier aux gens. Les gens, des fois, par habitude, ils vont circuler, puis ils n'ont pas remarqué, puis quand on leur dit ou quand ils vont repasser, ils vont le voir, puis on espère que les gens vont les respecter, la signalisation. C'est bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claude Véraud, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le maire. Vous venez d'adopter un règlement d'emprunt de $2,549,000 pour la régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Lange-Gardien, Château. Pour des travaux de mise à niveau d'équipement à l'usine de traitement des eaux usées, ainsi que des travaux de réfection de la toiture et du revêtement extérieur, comme l'indique l'avis qui a paru dans le Journal de Québec le 24 mai dernier. Pour s'opposer à ce projet-là, les contribuables doivent écrire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis. Or,
On est aujourd'hui le 3 juin. La question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas un peu prématuré? Est-ce qu'il y a des préséances? Parce que vous adoptez le règlement, puis on va s'opposer après. Je ne comprends pas, là. Bien, si on veut s'opposer à quelque chose, il faut qu'il soit en vigueur, il faut qu'il soit adopté. Donc, les gens, avec de l'appliquer, de le rendre, de l'opérer, si on veut, on le vote, on le met sur la table. Puis après ça, les gens, ils ont un délai pour pouvoir contester puis pouvoir se prononcer et de le remettre en question. Bon, je ne l'avais pas compris comme ça. C'est moi, je me trompe, c'est comme ça. C'est bien ça, c'est la démarche. Bon. Pour consulter le projet de règlement puis les documents annexes, dont celui de la répartition de cette empreinte entre les trois municipalités impliquées, M. Robert, je vous avais répondu en partie tantôt, il fallait se présenter au bureau administratif de la régie qui est situé à l'Ange Gardien et durant les heures d'ouverture. Sauf erreur de ma part, cet avis-là n'a été publié ni sur la page Facebook de la Ville, ni sur le site web de la Ville, ni sur les sites de l'Ange Gardien et de Bois-Châtel. Pourtant, la transparence aurait exigé ça, puisque tous les contribuables de ces trois municipalités-là vont être sollicités. Bon, ça, c'est les faits. Maintenant, j'ai deux questions là-dessus. Est-ce que cette dépense-là, elle avait été prévue dans le budget 2024? Puis est-ce que le règlement a fait l'objet d'un avis de motion à une séance précédente du Conseil? Là, en termes de technicalité là-dedans, là, je ne suis pas à l'aise ouais, avec ben, ça. Je ne suis pas à l'aise avec ça, moi non plus, je pose la non, question. Non, ça n'a pas été prévu dans le budget, parce que ça n'a pas été discuté à ce moment-là, puis on n'a pas eu d'autres avis non plus. Non. Mais c'est l'an prochain que les premiers paiements les vont passer. Les premiers paiements vont passer, mais ça n'a pas été projeté dans le budget 2024, c'est certain. Mais en 2024, il n'y aura pas de dépenses. Est-ce qu'il fallait faire un avis de motion, de règlement, avant? C'est à ce moment-là, ça a dû être fait par... Nous, on adopte à la régie le règlement d'emprunt. Après ça, chaque municipalité doit l'approuver. Puis là, après ça, là, s'il y a des gens qui s'objectent là, dans le 30 jours, ben là, il y aura d'autres... Bon, OK, c'est bon. Ouais. Je reviens maintenant sur le montant. 2 millions, plus de 2 millions et demi, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une ventilation de ce montant-là en fonction des travaux à effectuer? Ça va coûter tant... Quoi pour la toiture, quoi pour le revêtement extérieur, quoi pour les équipements. Puis aussi en fonction, mais ça, M. Robert, je vous avais répondu en partie à ça, en fonction des sommes imparties à chacune des trois municipalités. On va regarder pour avoir l'information, puis on en reparlera dans une prochaine séance du Conseil. Là. Parce qu'habituellement, comme la régie, c'est une entité qui est comme autonome, qui a son fonctionnement, puis a ses propres règles de fonctionnement. Je pense que c'est à eux qu'il faudrait s'adresser pour avoir ces informations-là. Mais on va vérifier. Mais on en avait parlé dans les rencontres précédentes qu'il allait y avoir des gros travaux qui s'en venaient là, à l'usine d'eau potable, là, d'eau usée. Pourquoi? Parce que l'usine commence à être désuète. Là, il y a des travaux qui vont se faire, mais il y en a d'autres qui sont à prévoir aussi en même temps, je dirais dans 5 ans. C'est 96 l'usine. Ça commence à être prévu, 96. Donc, il y a d'autres travaux qui vont être à revoir dans 5 ans également. Donc, il va falloir anticiper d'autres dépenses. Puis l'usine elle a une capacité aussi à traiter des eaux usées. Donc, chaque ville envoie ses choses, mais nous, ici, à Château-Richer, en plus, on n'a pas de pluviaux. C'est-à-dire qu'ils traitent aussi notre eau de pluie. Fait que là, toutes les réparations et les rénovations qu'on fait, là où il n'y a pas de pluviaux, on les installe. Fait okay. que nous, on enlève du volume qu'on paye à traiter aussi en même temps. Fait que ça dégage l'usine en même temps. Puis nous, ça nous permet de construire d'autres maisons puis de pouvoir envoyer, faire suivre les matières là, à l'usine. Si vous permettez, juste pour revenir sur ce que M. Robert a dit tantôt, ça remonte, si j'ai bien compris, à une entente qui avait été négociée avec le maire Léo Laplante. Donc, ça fait très longtemps. En termes de proportion, c'est quoi? Château-Richer, c'est 30%. L'Ange Gardien, c'est 30%. À chaque mois, on a le relevé de ce qui traite, là, d'où ça arrive. Là. Nous, on est autour de 25%. Donc, moi, je trouve ça bien, pour vrai. Mais est-ce que c'est fondé sur la population? C'est fondé sur l'eau qui arrive à l'usine. Là. Il y a moyen de calculer ça là, avec le système qui est en place. Ils savent exactement la quantité d'eau usée que nous envoyons. Après ça, ça s'en va à l'Ange Gardien, puis ils rajoutent ce qu'eux envoient. Tout ça vient calculer à chaque mois. C'est disponible. Puis là, dans le fond, c'est réparti avec un 19%, alors qu'on l'utilise plus que ça. Moi, je trouve que c'est une bonne entente pour l'instant. Le calcul est fait à partir de maisons, de nombre de personnes qui habitent dans la maison. Donc, il y a une quantité qui est calculée. C'est d'emblée, ça représente X, Y ou Z. Là.
puis on calcule à partir du nombre de propriétés puis des habitants qui y ont par résidence. Non, je pose la question parce que récemment, je suis allé à Boischâtel. Pour moi, Boischâtel, c'était l'avenue Royale puis le boulevard Saint-Anne. Ça a changé. Mais quand on voit tout le développement qu'il y a eu en haut, est-ce que les proportions sont toujours bonnes? La moitié de l'utilisation de l'usine, c'est Boischâtel, puis à peu près 25% dans le Gardien, 25% Château. On est là-dedans. À tantôt. Merci. Oui. Ça va pour les questions? Okay. Bonsoir, Raymond Letard. Oui. Monsieur le maire. Oui. J'ai reçu le compte de la partie du compte de taxe concernant les vidanges de fosses septiques. Il n'y a aucune mention savoir quand les vidanges vont être faites. OK. Est-ce qu'on peut savoir? Ça, on envoie, si je peux permettre. Oui, Allez-y. Une affiche, ça devrait être pas tarder, là, que vous allez tout le monde, ils sont concernés par ça. Puis je pense que vous allez savoir en masse d'avance, pour que, c'est à peu près vers quelle date ils vont passer, puis qu'est-ce que vous devez faire. Ouais. Vous pouvez rappeler-nous à la ville, pour voir regarder. Mais... OK, merci. C'est bon. On a des questions sur Zoom. Oui, j'ai une première question de M. Samuel Roberge. Pourquoi la ville ne vend pas ses terrains à Ville Royale, route Saint-Achevé, et bâtisse inutilisée, mais maison abandonnée, à la place d'emprunter des sous et de payer des intérêts? Ben, de quel bâtisse qu'on parle? Oui. L'avenue Royale. Ben, on va vérifier parce que dans ma connaissance, on n'a pas de bâtiment sur l'avenue Royale là, qui nous appartient et qui est désuet. Des terrains, on en a quelques-uns, mais on attend. Puis des fois, c'est des parcelles de terrain qui sont en forme de pointe de tarte. Puis on peut même pas construire un cabanon. Il n'y a même pas assez de place avec les zones de dégagement pour bâtir des choses. Certains terrains, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres terrains qui sont un petit peu plus grands. On en a sur le long du boulevard Saint-Anne, si je ne me trompe pas, mais c'est des terrains qui sont enclavés. Fait qu'aussi, il y a des terrains qu'on ne peut pas rien faire aussi, avec la cour des milieux humides, des choses comme ça. Mais on va faire le tour, là, mais en réalité, je ne sais pas exactement à quel terrain qu'on fait référence par la question. J'ai une deuxième question de M. Samuel Roberge. La Ville exige par règlement l'entretien des propriétés des citoyens. Qu'attend la Ville pour respecter son propre règlement et soit démolir la maison abandonnée située en haut de la cour de la chapelle, sachant que la tour du toit bat au vent et que cela est un danger potentiel ou de la vendre au plus vite? Nous sommes en train de regarder l'ensemble de la situation par rapport à cette maison-là et puis on va faire des suivis là-dedans éventuellement, mais on est en train d'analyser la situation. On en a justement parlé la semaine passée avec la direction. Merci. Donc, ça met fin à la période des questions. Il n'y a pas d'autres questions sur le Zoom? Non. Non, c'est beau. Donc, nous allons passer au point 8.1, qui est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 620-24, abrogeant le règlement 618-24, décrétant une dépense n'excédant pas 2 051 000 et un emprunt de 2 151 000 pour réaliser des travaux de la réfection des infrastructures existantes, égouts, aqueducs et pluviaux, dans les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanny et Pichette Sud, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, là, qui est la TEC. Donc, le règlement 620-24, en réalité, c'est considérant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation a émis une lettre d'approbation pour le règlement 618-24 là, pour la ville de Château-Richer le 24 avril 2024. Conformément à la loi, considérant que lors de l'ouverture des soumissions le mercredi 22 mai 2024, la fourchette des soumissions se situait entre 6 588 934 et 2 575 444, largement supérieure aux estimations de l'équipe d'ingénieurs de la FQM. Parce que vous savez, ces travaux-là, on les avait faits, on avait une enveloppe d'environ 1 750 000. Et on s'attendait, avec la FQM, les ingénieurs avaient évalué les coûts, puis on avait mis des coûts supérieurs en tenant compte de l'augmentation des coûts du matériel, des produits, de toute la quincaillerie que ça prend. Et malgré ça, c'est les soumissions qui nous sont revenues. Donc, il a fallu qu'on se réajuste, nous, par rapport à ça, parce que là, les coûts de la TEC, les subventions qu'on avait, ça ne couvrait pas, là, en réalité, correctement les coûts. Donc, considérant qu'il restait 1 756 comme je le disais, et 13 $ disponibles dans l'enveloppe du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec pour le volet priorité 3,
pour le renouvellement des infrastructures existantes et que la ville ne peut assumer ce dépassement de monétaire, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'est revirait de bord. On a dit, au lieu d'y aller avec la tech, on va y aller avec un autre programme qui s'appelle le Primo. Et là, à ce moment-là, considérer que le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 s'avère plus avantageux. Pourquoi qu'il est avantageux, le programme? Parce qu'il couvre à 65% les frais plutôt qu'à 50% avec la tech. Mais 65%, on a réussi à obtenir 10% de plus. Ce qui fait qu'on a à peu près 220 000 $ de moins à faire financer dans ce projet-là. Pourquoi qu'on a obtenu ça? C'est parce que ça fait comme presque un an qu'on travaille sur le programme de la gestion de l'eau potable. Et le fait qu'on a aussi installé les compteurs d'eau, puis qu'on vous disait que c'était important d'avoir des outils qui nous permettaient de faire de quantifier des mesures pour la gestion de l'eau, de s'inscrire dans un programme, de tout gérer, puis de voir toutes nos infrastructures, qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à changer, de bien identifier ça, nous sommes dans ce programme-là, présentement. Mais ça, là, ça nous permet de sauver là, 10%. Fait qu'au lieu d'être subventionné à 65% pour les travaux, on va être subventionné à 75%, ce qui fait que ça devient intéressant pour nous autres. Puis cette subvention-là qui est bonifiée, mais pour les années qui s'en viennent, avec tous les travaux qu'on a à faire sur l'avenue Royale et ailleurs, domaine champêtre, tout ce qui va rentrer dans le programme Primo va être bonifié, puis on va sauver encore le 10% de plus là, de bonification. Puis il y a peut-être possibilité d'en chercher davantage, mais on est arrêté d'évaluer d'autres pistes de solutions pour s'inscrire dans d'autres programmes avec le ministère pour aller chercher encore davantage de subventions pour que les citoyens en aient de moins en moins à payer en réalité. Donc, considérant qu'il convient de procéder à une demande de règlement d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 juin 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, en conséquence, le Conseil décrète le préambule fait partie du règlement, mais que le présent règlement porte le titre du règlement 620-24, abrogeant le règlement numéro 618-24, visant à décréter une dépense n'excédant pas 2 051 000 et un emprunt de 2 051 000 pour réaliser les travaux de réfection pour les rues qu'on vient de parler, donc Pichette-Sud, Trépanier et de l'Église et des Servitudes, dans le programme qui nous concerne. Donc, le dépôt étant fait, mercredi, on va voter le règlement qui concerne ce dépôt-là. Le 8.2, qui est un autre avis de motion, qui prévoit le dépôt du projet de règlement 621-24, décrétant une dépense n'excédant pas 1 855 000 et un emprunt de 1 855 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, d'égouts, aqueducs et pluviaux dans la rue du Couvent, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec. Donc, la taxe sur l'essence qu'on avait au début devait couvrir Église, devait couvrir Pichette, devait couvrir en réalité Trépanier, devait couvrir également la rue La Plante et la rue du Couvent. Mais vous voyez juste le petit secteur, là, les coûts sont exorbitants. Fait que là, ce qu'on a fait comme choix, c'est de maintenir les trois rues qu'on vient de parler, mais le transférer dans le Primo. Et là, on est en train de déposer un avis de motion pour dire que le couvent, on va le faire, mais là, il va être fait avec l'argent de la tech. Parce que l'argent de la tech, c'est 1 750 000. Si on ne l'utilise pas avant le 31 décembre, on vient de le perdre. Donc, on ne veut pas le perdre, donc on va le transférer là. Donc là, c'est toute une espèce de gymnastique. On a dû se réajuster, faire des choix, mais c'est les meilleurs choix qu'on a fait au moment où on se parle et qui sont le plus avantageux en réalité pour l'ensemble des citoyens. Donc, le règlement qu'on vient l'avis de motion que je vous parle présentement. Donc, on s'en dit, considérant que les travaux admissibles pour le programme de la taxe sur l'essence des contributions de la TEC de 2019-2024 doivent être complétés au 31 décembre 2024 pour bénéficier de la subvention. Considérant que la Ville a dûment reçu le 7 juillet 2021 une lettre confirmant la réception d'un montant de 383 559 portant son enveloppe totale à 2 099 000, qu'il reste 1 756 013 $ disponibles dans l'enveloppe pour le volet priorité 3 pour le renouvellement des infrastructures existantes. Considérant que le cabinet comptable Gariépy-Gravel Larouche-Blouin a effectué l'audit des coûts des travaux réalisés par le seuil de minimal d'immobilisation au montant total de 1 054 000 de la ville de Château-Rugé. Donc, pour avoir le droit aux subventions de la TEC, il fallait que la ville elle-même ait investi 1 054 000 dans des travaux pour avoir le droit à la subvention. Fait qu'on va avoir une nouvelle TEC qui va arriver l'année prochaine. On devrait avoir l'annonce cet automne.
mais c'est sûr que la nouvelle tech aussi, il va falloir qu'on l'habille, l'investisse pour avoir l'apport là, de cet argent-là. Donc, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre, octobre 23, incluant leur répartition pour l'année financière dans le cadre du programme Tech 2019-23, dans le dossier 112-10-35. Considérant que le Conseil, par résolution 2022-0108-231, s'engage à respecter les modalités du guide pour bénéficier du programme Tech 2019-2024, et de la subvention inhérente. Pourquoi 24 maintenant? C'est parce que le programme, comme qu'il y a eu la pandémie, ils ont extensionné d'une année pour qu'on puisse utiliser les sources qu'on ne pouvait pas le faire avant. Donc, ils nous ont donné une année de plus à toutes les villes pour pouvoir le faire. Donc, considérant qu'avec des travaux financés à plus de 50% par la TEC et en concordance avec l'article 556 alinéa 4 de la loi sur les cités villes de Château-Richer, peut s'exempter de l'approbation de personnes habiles à voter. Donc, comme qu'il y a une subvention dans ce projet-là, en réalité, on n'a pas à aller faire un registre de vote là, pour faire les dépenses. Considérant que la subvention du gouvernement du Canada est versée au comptant sur une période de 5 ans à la ville de Château-Richer, considérant que la subvention du gouvernement du Québec est versée sur une période de 20 ans à la ville de Château-Richer, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenu le 3 juin 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant que la nature des travaux a pour objet la réfection des infrastructures existantes. En conséquence, en réalité, nous déposons là, l'avis de motion là, pour faire ces travaux-là sur la rue du Couvent. Donc, l'avis de motion est déposé. Le mercredi, on va voter le règlement là, qui va être en lien avec ça. Donc, on pourra aller plus en détail pour le règlement. J'ai pris le temps de bien lire et de vous expliquer les choses parce que je pense que c'est important que vous voyez tout le travail qui vient de ça, les choix qu'on a eu à faire et où nous en sommes rendus aujourd'hui. Ça va? Nous sommes rendus au 9.1, qui est le dépôt du compte-rendu, monsieur Martineau. Merci, monsieur le maire. 9.1, c'est le dépôt du compte-rendu du CCU, qui s'est tenu le 21 mai 2024. Point 9.2, rénovation extérieure du bâtiment principal au 367 rue Pichette. Considérant que le requérant soumet une demande de permis de rénovation pour le bâtiment principal du 367 rue Pichette. Considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier, un avis favorable au projet de rénovation du bâtiment, conformément au plan de construction déposé et avec la condition suivante, que la partie de toit manquante au niveau de la courbe là, pour l'annexe de la résidence, ce qu'on appelle un coyot, tel que demandé lors de la précédente demande de permis, soit ajoutée. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le projet de rénovation du bâtiment principal du 367 rue Pichette, conformément au plan de construction déposé en respectant la condition émise par le CCU. Ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Martineau. 9.3, rénovation extérieure du bâtiment accessoire La Grange au 8515 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour des travaux de rénovation extérieure sur le dit bâtiment. Considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier un avis favorable avec les conditions suivantes. La tôle doit se trouver à la verticale comme sur le bâtiment accessoire adjacent. Les cadres des fenêtres et des portes doivent être conservés en bois. Le toit doit rester de la même couleur afin de s'agencer avec la résidence et le bâtiment accessoire adjacent. Il doit garder les moulures en vert ou les peindre en rouge tout en changeant le bâtiment accessoire adjacent en rouge aussi. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise les travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment accessoire La Grange du 8515 Avenue Royale, conditionnellement au respect des conditions émises par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Martineau. 9.4, reconstruction du bâtiment principal au 8897 Avenue Royale, considérant que le requérant soumet une demande de permis pour réaliser des travaux de reconstruction du bâtiment principal du 8897 Avenue Royale. Considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier un avis défavorable pour les dix travaux,
avec différentes recommandations. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse les travaux de rénovation de reconstruction du bâtiment principal du 88-97 Avenue Royale. Conditionnel. Ben non, il n'y a pas de conditionnel, non, c'est ça. Donc, ceux et ceux sont d'accord au vote. D'accord. 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 Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Latour. Oui, donc installation d'une nouvelle enseigne, 7266 boulevard Saint-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour l'installation d'une nouvelle enseigne, considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier un avis favorable pour l'ajout d'une nouvelle enseigne au 7266 boulevard Saint-Anne, tel que les plans présentés. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout d'une nouvelle enseigne au 7266 boulevard Saint-Anne, tel que les plans présentés. Merci. Donc, ceux et ceux sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.6, M. Latour. Oui, donc, construction d'un bâtiment accessoire, donc remise, 22 rue de la Promenade. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour construire une remise isolée comme bâtiment accessoire. Considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier un avis favorable pour la construction de la dite remise isolée, telle que présentée par le requérant, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction de la dite remise telle que présentée par le requérant. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.7, M. Latour. Oui, toujours. Donc, construction de bâtiment principal 103A, montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour construire une nouvelle résidence unifamiliale à la 10 adresse mentionnée ici. Considérant que le comité, que le CCU en fait, là, a émis le 21 mai dernier un avis favorable pour la construction de la nouvelle résidence unifamiliale isolée à la 10 adresse telle que présentée par le requérant. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction de la nouvelle résidence unifamiliale isolée au 103A montée du parc telle que présentée par le requérant. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.8, M. Martineau. Merci, M. le maire. Demande de dérogation mineure au 14 rue de la Promenade. Considérant que le CCU a reçu une demande de dérogation mineure afin d'accepter qu'une clôture d'une hauteur de 1,8 m soit en cours avant, alors que le règlement de zonage 575-20 exige que les clôtures situées en cours avant soient d'une hauteur maximale de 1,2 m. Considérant que le CCU a émis le 21 mai dernier un avis défavorable pour l'installation de la dite clôture en raison, entre autres, des arbres matures manquants indiqués sur le plan et que le requérant n'a pas démontré qu'il y a un préjudice suffisant pour justifier la dérogation demandée et qu'il est possible d'assurer une intimité dans la cour du demandeur par d'autres façons qui ne requièrent pas de dérogation. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure pour l'installation d'une clôture de 1,8 m de hauteur située en cours avant. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 10.1, qui est le programme de gestion des actifs en eau de la ville de Château-Richer. Considérant que la ville de Château-Richer reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place des activités nécessaires pour maintenir des activités en état, nos actifs en état, de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs de l'eau contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau du service convenu. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme de gestion de l'eau, du ministère, ainsi que des outils y afférents, et qu'elle comprend chaque partie constituante du programme de gestion de l'eau, considérant que le programme de gestion de l'eau permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, le fait qu'on est dans un programme de la gestion de l'eau qu'on avait commencé avant que ça soit officiellement voté, là, ça nous a permis quand même, que les travaux qui sont là, d'aller chercher un 10 % de plus de subventions. Et c'est ce 10 % de plus-là, mais ça fait en sorte que c'est des sous de moins qu'on a à emprunter en réalité puis à rembourser. Donc, c'est des sous qui sont arrivés. Puis tous les projets futurs qui vont arriver, on va pouvoir l'utiliser dans le programme primo
Donc, c'est un programme qui est encore valide pour quelques années, puis qui nous permet d'aller chercher jusqu'à 7 500 000 $ de règlement d'emprunt par année pour effectuer des travaux. Donc, c'est à partir de ce programme-là qu'on pense être en mesure de pouvoir effectuer tous les travaux qui ont à faire sur l'avenue Royale puis le domaine Champêtre. Donc, c'est avec ça. Et c'est sûr que ce programme de loi-là, ben, nous, on le fait en réalité avec l'aide là, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mais on est aussi supporté là, par également là, par la FQM. Donc, eux offrent des ingénieurs avec qui on fait affaire. Puis ces ingénieurs-là, leur salaire est aussi subventionné. Fait que le salaire des ingénieurs, des fois, quand on allait voir d'autres entreprises que je nommerais pas, là, mais ça pouvait coûter 150 $, 200 $ de l'heure facile pour la gestion pour avoir leur expertise. Mais eux, comme c'est subventionné, ça coûte environ 26 $, 50 $ là, à la ville là, pour ces services-là qu'on a. Donc, c'est une autre façon aussi, avec cette aide-là, de pouvoir en faire plus avec les sous qu'on a. Fait qu'on essaie de tout aller chercher, qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour favoriser, faire avancer nos travaux. Donc, en conséquence, je propose donc que la ville de Château-Richer s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion de l'eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 4 juin 2024 le sommaire du programme d'aide, programme de gestion de l'eau, ainsi que des informations requises pour ce dernier. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.2, Mme Lefrançois. Oui, alors faisant suite, octroi de mandat d'accompagnement pour la réalisation d'un plan de gestion des actifs en eau. Alors, considérant que le plan de gestion des actifs en eau permet d'améliorer la connaissance de l'état des actifs en eau présents sur le territoire de la ville, considérant que le plan de gestion des actifs en eau permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive, considérant que l'élaboration du plan de gestion des actifs municipaux en eau permettra de bénéficier de la majoration de l'aide financière issue du PRIMO 2023, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement pour la réalisation de plans de gestion des actifs en eau à un taux subventionné par le MAMASH. Alors, considérant que la FQM a dressé une liste de services professionnels inclus dans l'accompagnement pour l'élaboration du PGA, alors, élaboration du document de démarche de gestion des actifs municipaux en eau, réunion de démarrage et de suivi, prise de connaissance des intrants du projet et définition des besoins, préparation du plan de gestion des actifs en eau incluant notamment l'analyser les données d'inventaire et d'état des actifs, analyser les données financières associées aux infrastructures en eau, caractériser les niveaux de service, identifier les risques possibles et déterminer les facteurs pouvant influencer la demande, compléter le chiffrier Excel pour l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau, rédiger le plan de gestion, préparer et participer aux réunions de suivi avec la municipalité. Alors, considérant qu'une offre de service de la FQM a été reçue pour l'élaboration du PGA avec un temps de réalisation estimé variant entre 150 et 300 heures. Alors, un ordre de prix qui variera entre 3 150 et 8 000 $. Considérant que ce service d'accompagnement, adaptable selon les besoins, vise à fournir une expertise technique et administrative dans l'élaboration du plan de gestion des actifs en eau, en conséquence, je propose que le Conseil accepte l'offre de service de la FQM pour l'accompagnement à l'élaboration et à la mise en place de l'étape 1 et 2 du plan de gestion des actifs en eau. Merci. Donc, ceux-là sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On prend le temps de bien lire parce que ça comporte beaucoup d'éléments, ces choses-là. Habituellement, on résume un peu, mais on prend le temps d'asseoir de lire les affaires parce qu'il y a beaucoup de détails là-dedans, puis il y a beaucoup de séances extraordinaires qui vont s'en venir et qui vont suivre aussi les présentations qu'on fait présentement. 10.3, M. Martineau. Merci, M. le maire. 10.3, nomination d'une greffière adjointe pour une durée déterminée. Considérant que les dossiers présentement en cours à la ville de Château-Richer nécessitent plusieurs réunions extraordinaires et un surplus de travail au niveau du service du greffe. En conséquence, je propose de nommer Mme Lucie Gagnon à titre de greffière adjointe pour une durée déterminée, afin d'être en mesure d'effectuer des tâches de greffe et d'assister aux séances si nécessaire. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
10.4, donc la demande de révision à la commission d'accès à l'information, mandat à Morancy Société d'avocats. Donc, considérant qu'une demande de révision a été déposée à la commission d'accès à l'information, considérant que la ville de Château-Richer doit mandater un avocat pour la représenter lors de la tenue de l'audition, je propose que la ville de Château-Richer mandate la firme Morancy Société d'avocats pour la représenter à la commission d'accès à l'information relativement au dossier 103-35-95-J. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, Mme Lefrançois. Oui. Alors, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMA. Alors, considérant le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, destiné aux municipalités amies des aînés, considérant la volonté du conseil municipal d'améliorer la qualité de vie des aînés sur le territoire, en conséquence, je propose d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, de souligner les éléments suivants. Alors, la ville de Château-Richer a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. La ville de Château-Richer s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées. La ville de Château-Richer confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement des coûts. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Coalition de l'Est pour un lien intérive, M. Martineau. Monsieur le chômeur. Considérant que par les résolutions 2023-05-298, 2016-06-110 et 2018-06-103, le Conseil de la MRC de la Côte-de-Beaupré a exprimé son souhait d'un troisième lien situé à l'est des villes de Québec et Lévis. Considérant la nécessité d'établir un nouveau lien reliant la rive nord et la rive sud du fleuve Saint-Laurent à l'est de Québec, considérant que le dossier du transport dans la capitale concerne des acteurs qui vont au-delà de la communauté métropolitaine de Québec, considérant que plusieurs municipalités de la région de Chaudière-Appalaches et de l'est du Québec constituent une part intégrante de la zone d'influence de la capitale nationale et devraient participer activement aux discussions sur le développement des transports et de la mobilité dans la région, considérant que la Caisse de dépôt et de placement du Québec déposera bientôt ses conclusions sur un réseau de transport structurant pour la région de Québec, considérant qu'il est crucial pour les organisations municipales de l'Est du Québec d'accéder à des infrastructures de transport structurantes afin de favoriser le développement économique et le tourisme, considérant l'importance du transport de marchandises dans le développement économique de la région et de tout le Québec et de la Côte-de-Beaupré, considérant l'état vétus des infrastructures interrives entre la région de Québec et Chaudière-Appalaches et les risques qu'elles représentent pour la stabilité économique de la région de Québec et de l'Est du Québec, considérant le besoin d'assurer des itinéraires sûrs et rapides pour les services d'urgence afin de garantir la sécurité des citoyens et citoyennes, considérant qu'un lien interrive à l'Est contribuerait à une meilleure structuration de l'offre du transport collectif sur le territoire, considérant que la nouvelle coalition de l'Est pour un lien interrive vise à regrouper autant les MRC, les municipalités locales, que des entreprises, des organisations ou des associations. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer appuie le conseil de la MRC dans la présentation d'une ou plusieurs options pour la création d'un lien routier interrive à l'Est de Québec. Transmet la présente résolution au premier ministre du Québec, à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'aux représentants du gouvernement dans la région. Transmet la présente résolution aux représentants de la coalition de l'Est pour un lien interrive. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y a des comptes. Moi, j'ai des comptes. Bon, des abstentions, ouais, des comptes. OK. Ouais. Il y a deux comptes puis trois pots. J'aimerais ça que mon nom soit noté au PV, si vous êtes comme les temps compte. Merci, Karine. Varia, donc, le 12.1, Mme Lefrançois. Oui, alors, autorisation de la tenue d'un nouvel événement à Château-Richer, donc le festival Qué Latino. Alors, considérant qu'un événement d'envergure se tiendra pour la première fois à Château-Richer, organisé par Affinité Globe Incorporé. Vous pouvez aller sur Internet. Ils ont un site Internet, là, très bien fait d'ailleurs. Là.
Considérant que l'événement se tiendra sur le site de l'entreprise KCR Karting, située au 164 route Saint-Achille, considérant que nombre de gens sont attendus lors de l'événement, je propose que la ville de Château-Richer autorise la tenue du festival Quai Latino, qui aura lieu le 30 juin 24 prochain au 164 route Saint-Achille, que la Sûreté du Québec, évidemment, soit avisée afin de faire respecter les règles de sécurité lors de l'événement. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Personne 12.2, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, personnel autorisé à l'application de la réglementation de prévention incendie, considérant le règlement numéro 2018-1061 sur la création du service de sécurité incendie, considérant que des pompiers assureront temporairement les tâches de techniciens en prévention incendie en ce qui concerne les risques élevés et très élevés, considérant qu'il est nécessaire de désigner ceux-ci pour appliquer la réglementation municipale, parce que le préventionniste n'y est plus, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie de Boischâtel-Lange-Gardien, je propose d'autoriser Gabriel Bibeau, Jean-Michel Corriveau et Frédéric Garneau, pompiers à Lange-Gardien-Boischâtel, à émettre des constats d'infraction pour l'ensemble de la réglementation municipale touchant la prévention des incendies sur le territoire de notre ville. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? La soirée est longue. Les crickets. Est-ce que je peux encore? Oui, monsieur. Vous avez dit à tantôt. Me voici. Il se dit tellement de choses dans une séance du conseil. On aurait plein de questions à poser. Malheureusement, on est limité à deux. Juste pour ce qui est de l'appui aux liens inter-rives, je vous souligne ici que dans les années 1960, le conseil municipal de Château-Richer avait adopté à l'unanimité une résolution demandant au gouvernement à l'époque de ne pas construire le pont Pierre-Laporte, qui devait s'appeler le pont Champlain, à côté du pont de Québec, mais plutôt du côté est pour desservir toute l'est de la province. Alors, moi, je suis très favorable à ça, puis je vous félicite d'avoir donné votre appui à ça. J'en arrive à ma question. Je vous avais dit que j'allais revenir là-dessus. Je reviens sur l'article qui est paru dans Le Soleil le 12 mai dernier à propos de l'interdiction des vélos sur un tronçon de la route Saint-Achille. Vous avez parlé beaucoup, M. le maire, vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez évoqué notamment un projet d'aménagement d'une piste cyclable dans cette route. Et je vous cite, « Un jour, dites-vous, si on a les sous, on va faire une zone de dégagement avec une piste cyclable et des bollards sur au moins un côté pour que les gens puissent circuler à vélo. » Réaliste ou irréaliste, visionnaire ou chimérique, libre à chacun d'apprécier ce projet comme il l'entend. Pour ma part, j'ai juste une question à vous poser. Je voudrais savoir sur quelle étude vous vous appuyez, le journaliste ne l'a pas dit, pour estimer ce projet à 24 millions de dollars et peut-être même au double, et là, je vous cite encore, si c'est bien fait. Bien, écoutez, nous, on avait fait une analyse des chemins, là, de toutes les routes de circuit routier de Château-Richer en 2022. L'an passé, ou cette année, la MRC a fait le même genre d'études à la demande du ministère. Puis on en a parlé ici aux séances du conseil, j'en ai informé les gens lors des séances du conseil. Et l'étude, on pensait pouvoir faire passer notre étude, ce qui avait déjà été fait, nous, qu'on pensait pouvoir le passer là-dedans puis sauver des sous, mais on n'a pas pu le faire. Ils ont obligé de faire une étude indépendante. Ils devaient regarder pour la Côte de Beaupré l'ensemble des chemins, les circuits routiers, puis regarder les routes qui nécessitaient beaucoup de réparation, de l'entretien, puis d'évaluer les coûts de ceux-là, puis combien que les villes devraient donner par année, en réalité. Donc, nous, notre part, c'est qu'on devrait donner 1,7 million par année pour entretenir le système routier de la ville de Château-Richer. On sait qu'on a un budget à peu près 9,5 millions, mais il y en a la moitié qui est dédiée pour des services. Donc, ça rentre dans une main, ça sort dans l'autre. Donc, sur 4,5 millions, il faut payer les salaires, il faut déneiger, puis il faudrait mettre 1,7 million sur les routes. On n'a pas les moyens, puis on leur a dit clairement qu'on n'a pas les moyens de ça. Donc, ça, c'est l'étude que la MRC a faite à la demande du gouvernement et qui ont établi les coûts de rénovation ou de réparation de la route Saint-Achille durant Saint-Ignace à 24 millions. Oui, mais monsieur le maire, vous parlez là-dedans, là vous me parlez du projet de réfection du tronçon. Dans l'article du Soleil, il était question de l'aménagement d'une piste cyclable
dans la route de Saint-Achillée. Votre question était où j'ai pris l'étude. Je viens, je vous oui, ai répondu. Mais, maintenant, cette étude-là parlait de pistes cyclables. Non, elle ne parlait pas de pistes cyclables. Je dis qu'un jour, quand on va refaire la route, il va falloir penser à mettre une piste cyclable. Et quand on parle à un journaliste, vous comprendrez qu'eux rapportent les propos à leur façon, eux autres. Puis je pense que je vais donner raison. Là. Mais l'article, je pense qu'ils ont, très, ont assez bien résumé, par contre, l'échange qu'on a vu ensemble. Ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait une piste cyclable. C'est sûr qu'il y a du développement qui va se faire au niveau du rang Saint-Ignace et Saint-Achillée, parce qu'il y a des routes, il y a des chemins qui vont être retravaillés, puis il y a des chemins qui risquent d'avoir des constructions. Mais qui souhaite ça? Les gens de Québec ou les gens de Château-Richer? Les gens de Château-Richer. On va avoir un réseau routier qui est adapté. On va avoir un réseau routier qui répond aux besoins. Je parle de la piste cyclable, moi. Mais un réseau routier, ça comprend une piste cyclable pour que les gens puissent circuler librement, sans danger, et permettre aux gens de circuler avec leur voiture, puis avoir des zones de dégagement pour que tout le monde y trouve sa place. Fait qu'éventuellement, c'est sûr que si un jour il y a des travaux à refaire, le souhait, c'est de refaire les chemins correctement, adéquatement, mais de prévoir aussi un élargissement pour qu'il puisse avoir une piste cyclable, pour que les gens puissent continuer à circuler. C'est plus ça. Je pense que M. Véraud voit une piste cyclable à côté de la route, mais c'est comme un accotement. C'est une route plus large. Bien, c'est un peu ça que l'article nous dit. Raison de plus, M. le maire, pour ne pas trop parler à des journalistes. De ne pas en dire trop. C'est la leçon que je tire de ça. Quand on n'en dit pas trop, on n'en dit pas assez, on dit qu'on cache des choses. Donc, on essaie d'informer les gens le plus possible, puis sur nos intentions en réalité. Bonjour, mon nom est Michel Gutt, je suis un citoyen de Château-Richer. J'aurais une question à poser à M. Robert, je suis à M. Latour. Le 10.6, vous êtes contre, pourquoi? Oui. Ben, c'est ça. c'est des raisons personnelles, Okay. C'est un sujet là, dont on parle beaucoup dans l'actualité, là, depuis longtemps. Et moi, personnellement, puis là, le conseil a voté en faveur d'appuyer cette... Cette démarche-là, c'est bien correct, là. C'est parce que être contre le troisième lien de tour. Ouais. Qu'importe ce qui va arriver, ils vont y mettre un projet, là. Oui. Même là, à 10-6, là, il me semble qu'on était un peu en retard pour se prononcer sur ça. On aurait dû le faire avant que le projet. Ben oui. Et là, ils vont déposer un projet. Ça va être bientôt, au mois de juin, là. Ça va être encore une autre étude. On étudie tellement longtemps qu'on ne fait rien. Non, je sais. Il faut arrêter d'étudier, il faut agir. Allez, gars, ça, c'est... Mais vous répondez, On en jasera, je vais vous dire. Oui, mais M. Latour? Même chose, vous parlez après, je vais tout raconter, ça ne me dérange pas. OK. Les arguments sont faits depuis quelques années. Une séance après Bon, la deuxième intervention que j'aimerais faire, tous les textes que vous lisez à chaque article que nous, on a entre les mains, il n'y a pas moyen de les avoir, ces textes-là. Parce que, je suis d'accord, M. Véraud, c'est tellement... C'est appétissant, c'est plaisant de vous entendre, mais on en perd des bouts. Il n'y aurait pas moyen d'avoir cette action ou c'est essentiellement personnel à l'équipe, maire et chevin? Non, mais une fois qu'ils ont voté, les documents deviennent publics. Là. C'est la procédure qui est habituellement, parce que des fois, il y a des choses en cours de route, on va écrire, mettons, une résolution, puis il est possible que lors de la dernière échange, parce qu'on se parle, mettons, les semaines avant la séance, puis avant la séance d'aujourd'hui, mais on se parle pratiquement pendant une heure, puis des fois, ça arrive qu'on ajuste du contenu dans les résolutions pour vous présenter vraiment le portrait de ce qu'on veut voter. Donc, c'est sûr que de vous remettre un document qui est incomplet, puis là, c'est autre chose, ça peut amener peut-être plus d'ambiguïté, puis de dire, ben là, vous avez dit telle affaire, j'ai eu telle affaire d'écrit, puis là, vous avez dit autre chose, puis là, c'est d'autres choses qui sortent, ça ne marche pas. Fait que la procédure, c'est vraiment, nous, on prend le temps de vous expliquer les choses, vous avez l'essence de ce qui est souhaité dans la résolution, et après ça, ben quand vous l'avez papier, ben, vous y avez accès via... C'est Internet de la ville, mais là, vous avez le contenu complet. Là. C'est parce que je remarque dans l'intervention que vous avez faite au cours de l'Assemblée, là, je regarde qu'il y a plusieurs endroits où qu'on peut emprunter. Hein? Il y a le tech, puis vous avez... Mais est-ce que ça fait longtemps que ça existe, tous ces programmes-là? Mais oui. Pourquoi que dans le passé, on n'entendait jamais parler de ces programmes-là? Nous, on essaie d'en donner... On essaie de vous informer le plus possible, de vous tenir au courant des choix, puis pourquoi qu'on travaille, puis avec quoi qu'on travaille. Des subventions, il y en existe une panoplie pour toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, qu'on peut pas tout, parce qu'il y a des choses que l'implication de la ville est plus grande que d'autres. Il y a des fois des subventions, comme tout à l'heure, on a voté une subvention Prima qui donne 100 000 $ sans condition. Donc, on peut dépenser 100 000 $ puis on n'est pas obligé de mettre un 10, un 15 ou un 20 %. On peut dépenser 100 000 puis on ne met pas plus de sous. L'objectif, c'est de revenir encore avec l'ascenseur au centre Olivier-Letardy et de tout rénover le centre, le chalet Moisan pour...
pouvoir faire des activités pour les personnes du troisième âge, aujourd'hui, des personnes retraitées. On veut en faire un centre culturel pour les gens. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin d'entretien. Fait qu'on veut favoriser de ce programme-là pour amorcer ces travaux-là. Il en existe d'autres, là. Il y en a une panoplie de subventions. Il faut être à l'affût, il faut vérifier, il faut surveiller. Madame Lavigne a fait un beau travail par rapport à ça. C'est un beau travail. Ici, moi. Oui, puis je dirais que on est informé régulièrement aussi de ce qui est sur la table. Nous, on s'est abonné aussi, on est membre de la FQM. Donc, on reçoit les conseillers, on reçoit aussi de la documentation, de l'information sur de la formation ou n'importe quoi, sur des subventions à venir. Fait que ça nous permet aussi de mettre ça à l'ordre du jour, des fois, de discuter de certaines affaires pour nous permettre de faire les meilleurs choix qu'on peut. Mais ces choses-là, ça existe, ça a toujours existé. Il y a des années, des fois, il y a des programmes qui n'existent pas, ou des fois, il y a un programme qui peut exister, mais pour une période de 4 ans ou de 5 ans. Comme le Primo, il va terminer là, fin des années 20, là, au début 30, c'est terminé. Mais on a une année ou deux de plus pour le dépenser, pour monter le projet. Mais ça va prendre fin. Oui. Il va y avoir d'autres choses, peut-être, qui vont arriver, peut-être qu'il va être amélioré, on ne sait pas, on verra rendu là. Alors, je vous remercie. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Jimmy Saint-Hilaire. Je voudrais savoir, point de vue de taxe de bienvenue, quand on acquiert une nouvelle propriété, on sait que l'anciennement, M. Robitaille a vendu sa propriété, il demandait 1,9 million. Le Mont Champagneau, ça s'est vendu, je ne sais pas comment, mais c'est certain que c'est des millions aussi, assurément. Je voudrais savoir, pour 2024, quel montant ça peut représenter les taxes de bienvenue, vu qu'il y a des grosses transactions comme ça qui se font dans notre ville? Bien, combien ça peut représenter, c'est qu'il y a une moyenne qui est tracée quand on fait le budget, puis on vous le présente, puis on dit toujours, bien, au niveau des taxes de mutation, on prévoit cette année qu'il va rentrer X montant d'argent. Des fois, il y a des récessions, il y a des moments où il se vend plus de maisons, il s'en vend moins, puis à la fin de l'année, on finit par savoir combien est rentré d'argent en réalité. Mais cette année, on avait anticipé un certain montant, autour de 200 000 $ si je ne me trompe pas. Fait qu'on va voir à la fin de l'année combien qui va avoir rentré en bout de ligne avec l'ensemble des transactions. Est-ce qu'il y a des nouvelles constructions qui ont eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des ventes de propriétés actuelles? Bon, ça, toutes ces choses-là, ça suit son cours durant l'année. Puis on va voir à la fin de l'année combien qui va avoir rentré. OK. On peut présumer que c'est 200 000 et plus pour cette année 2024. Bien, il y a eu des années où il y a eu des prévisions, puis c'est arrivé en deçà des prévisions. Cette année, on ne se le cachera pas, on va être au-dessus avec ce que vous venez de dire, c'est sûr que ça va arriver au-dessus. Mais l'année passée, on a eu aussi une surprise au niveau de la réparation de certaines voitures qui nous a coûté 175 000 $ hein? Donc, on a dû le mettre dans le budget. Hein? On est arrivé avec un budget où on avait besoin d'un 800 000 $ à aller chercher. Donc, on va attendre la fin de l'année, puis on verra le portrait global de l'enveloppe budgétaire. S'il y a eu des imprévus, qu'est-ce qui est arrivé en cours de route? On va s'en tenir à notre plan de match, puis on a le plan, le PTI qu'on a fait aussi en même temps, qu'on vous a remis, c'est quoi nos engagements, puis qu'est-ce qu'on veut faire pour d'une année à l'autre. Donc, on va s'en tenir à ça, puis on va rouler là-dedans pour le moment. OK. Je voudrais m'entretenir avec vous, c'est un sujet que je vous parle souvent, la route Saint-Achille. Moi, ça fait plus de 35 ans que je me promène de ce chemin-là. J'ai commencé à conduire dans ce chemin-là, j'avais 13 ans. Et sûr que vous plusieurs années, comme vous, en Gaspésie, on prenait de toi papa, maman, puis on allait se promener. On faisait pas ça, nous autres. Bon, en tout cas, j'ai vu ça dans un film à caca. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à me promener dans ce chemin-là, l'asphalte arrêtait, pour vous donner une idée, l'asphalte arrêtait près de la fermette Saint-Achille. Le reste était tout en gravette. Moi, j'ai vu l'évolution de ça au fil des années, que ça a monté, ça a monté, ça a monté. Je peux vous dire aujourd'hui qu'en 2024, la route est dans son pire état qu'elle n'a jamais été. Il y a des trous qui apparaissent partout régulièrement. C'est pas réparé. On détruit vraiment nos autos, puis c'est rendu impossible de rouler plus que 50 km/h. Je suis probablement la personne qui roule le plus vite. Là. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Mais c'est rendu impossible de rouler plus que 50 km/h. On scrape le char. Carrément, là, ça n'a pas de sens. Là. Il y a un trou, là, samedi passé, j'ai réparé un flat d'une madame. À casser son mag. Ça n'a comme pas d'allure, une madame avec deux enfants. Fait que c'est sûrement pas elle qui faisait le Michael Schumer dans la route Saint-Achille. Mais c'est pour dire que là, tu sais, je vois que la ville de Château-Richer va investir dans les nouveaux équipements, investir ici, investir là. Je sais qu'on n'est pas riche, mais il n'y aura pas moyen de prendre un petit peu d'argent des taxes de bienvenue. C'est ça que j'ai posé la question en premier. Puis on va y faire une coupe de patch, parce que je vais vous le dire, là, la route est pire qu'hier, mais mieux que demain. C'est rendu, puis je vous invite tout le monde à y aller, allez-y, là, il n'y a pas de cachette, je sais que vous y allez souvent, là.
Je vous vois des fois. Même si vous ne me voyez pas, moi, je vous vois. Je sais que vous êtes au courant. Trop vite. Probablement, vous ne respectez pas 50 km/h, vous non plus. Des gros tailleurs. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Ma question est toute simple. On peut-tu espérer avoir un peu d'argent dans la route Saint-Achelet cet été pour, tu sais, patcher une coupe de trous? Si vous voulez que je vous réponde honnêtement, la réponse est on va voir avec le directeur des travaux publics le budget qu'il y a et ce qui a été alloué par rapport à ça. Il n'y aura pas de sous, à ma connaissance, on n'en a pas parlé ensemble autour de la table, donc je ne vais pas m'avancer non plus. Au moment où je vous parle, on n'a pas eu de discussion là-dessus, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de sous au moment où je vous parle qui va être mis sur la route. L'objectif est vraiment de faire une évaluation globale de la situation avec Laurent Saint-Achelet et toute la route Saint-Ignace et la route Saint-Achelet au complet. On vous en a parlé, on vous a dit qu'on voulait faire une étude au niveau du développement, voir le potentiel, puis de regarder comment qu'on pouvait développer, mais développer correctement au fur et à mesure, en commençant déjà sur des nouvelles routes qui doivent faire des nouveaux chemins avec des pistes cyclables pour qu'éventuellement un jour le réseau se suive puis se connecte. Ça, c'est des choses que je pense qu'il faut qu'on regarde si on a du développement à faire, de le faire de façon structurée et correcte pour s'assurer d'avoir une belle continuité puis que ça finisse par commencer par quelque chose. Mais là, pour l'instant, pour le budget de 2024, il y a des sommes qui sont allouées. Là, je ne sais pas par cœur, je m'en souviens plus par cœur, là, parce qu'on a tellement parlé de chiffres, là, à un moment donné, on vient que pour des petites affaires précises, là, je n'ai pas en mémoire le montant. Mais on va pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer avec les sous qu'on a présentement. 2025, c'est une autre année. On va finir l'année qui est présentement en cours. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et on va s'assurer aussi de faire des travaux. Il y a des travaux qui ont été faits dans le passé sur la route Saint-Achelet. Ça a coûté quelques millions. Puis il nous reste encore quelques années à payer par rapport à ça. Puis les chemins sont déjà désuets. Ils sont déjà brisés. Puis ces boulots sont déjà à refaire. Mais lorsque ça va être fait, je pense qu'il faut, peu importe la longueur, il faut que ça soit bien fait pour puis qu'on le refasse et le faire adéquatement. Puis ça, je pense que ça, il faut qu'on ait ça en tête, nous autres, et les autres conseils municipaux qui vont suivre après aussi en même temps. Vous dites, ça fait 30 ans que vous roulez dans une situation qui n'est pas nécessairement le monde idéal, mais je peux vous dire que nous, cette année-là, à part ce qui est prévu au budget, il n'y aura pas de sous de plus. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Puis ça, on aura des discussions à avoir de toute façon en cours d'année par rapport à ça. C'est bon. Je voudrais féliciter tout le monde, ceux et surtout celles qui se sont virés en bon québécois sur une gosse avec l'histoire du primo puis l'autre. Là. Vous avez switché les montants d'un nouveau à l'autre. Que, normalement, quand on parle d'affaires de ville, c'est une éternité. À preuve, la route Saint-Achelet. Puis vous n'êtes pas le seul joueur là-dedans, comme vous l'avez dit, bien du monde avant vous. Mais je voudrais vous féliciter d'avoir viré sur une gosse, parce que d'habitude, des affaires municipales. C'est somnifère pas mal. C'est... Ben, disons que les échanges qu'il y a eu avec le ministère, avec la FQM, avec Mme Lavigne, puis quelques séances que j'ai assistées, on a échangé puis les hypothèses, puis avec le conseil, on a échangé beaucoup d'hypothèses. Là. Ça fait pratiquement depuis le printemps, depuis l'automne passé, qu'on change d'hypothèses, on regarde comment on peut faire avec l'argent qu'on a présentement. Et là, on espère que c'est le dernier switch qui va être fait. Là. Puis la rue Laplante, qu'on ne fera pas cette année, on veut le mettre l'année prochaine au projet, c'est ça. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, là, mais la rue Laplante, on va le mettre l'année prochaine. Donc, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Surpresseur, toute la Avenue Royale, Domaine Champêtre, c'est toutes des choses qu'on va regarder. Il y a un bout aussi sur Saint-Achelet qu'on peut mettre. Fait qu'on va tout regarder l'ensemble. Et puis les priorités de secteur, ça va être établi avec le ministère. Parce qu'il y a des secteurs qui sont plus importants à travailler dessus. Puis on ne favorisera pas un secteur par rapport à l'autre parce que des gens sont fins. Là. Si on va y aller vraiment avec qu'est-ce que les ingénieurs vont dire, bien ça, ce dossier-là, il est vraiment prioritaire. Il faut y aller en premier. Puis c'est comme ça qu'on va établir les secteurs qu'on va faire en premier. C'est pas par favoritisme ou quelque chose. Oui, Mme. Pour préciser aussi, parce qu'on va retravailler le pays, le plan d'intervention qui est caduc depuis 2016. Donc c'est à partir de ce plan-là qu'on va pouvoir redéfinir et prioriser et hiérarchiser les priorités. Donc les prochains travaux de grosses infrastructures, c'est comme ça que ça va être l'idée. En terminant, je viens à vous rappeler vos paroles, que le développement de Château-Richer va se faire vers le nord. Et vers le nord, bien, c'est la route Saint-Achelet et Saint-Ignace, il ne faut pas l'oublier aussi, si on est capable. C'est pour ça qu'on regarde pour tout évaluer le développement, comment il doit se faire pour qu'il se fasse de façon intelligente. Il ne faut pas que ça soit fait en pop-corn, à la pièce, puis pas avoir une vue d'ensemble. Il faut regarder pour avoir une vue d'ensemble pour
que ça soit un beau, de quelque chose d'homogène, de quelque chose qui va nous représenter et qu'on va être fiers d'avoir comme développement. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, question sur Zoom. Donc, j'ai une Mme Mélissa qui me dit, elle parle des travaux sur la rue de l'Église. On sait quand les travaux d'aqueduc seront attribués. Il y a eu ouverture de soumission, mais le contrat sera donné au plus bas soumissionnaire. C'est une question. J'ai vraiment besoin de savoir quand les travaux vont commencer. Ben, des gens qui sont venus nous voir, on a informé les gens, en réalité, quand ils sont venus à l'hôtel de ville, qu'on allait, dès qu'on va avoir les dates des travaux, qu'on va l'annoncer, en réalité, sur la page Facebook et la page web aussi là, de la ville. Pour l'instant, on attend, parce que là, on doit changer les programmes dans lesquels on va faire les travaux. Donc, tout ça, faut que ça soit autorisé. Fait qu'on a 3 semaines de délai à avoir devant nous. Il y a un promoteur qui a été choisi, là, un contracteur pour faire des travaux. Et eux sont prêts à commencer, je pense, au début de la première semaine du mois de juillet. Donc, nous, dès qu'on a les confirmations du ministère puis que tout s'emboîte, tout se fait correctement, on va le savoir. Dès qu'on va le savoir, on pourra informer les gens. Fait que ça va être vers la mi-juillet. Si on est chanceux et tout va bien, ça va être là. Ça peut être retardé un petit peu, mais ça va être aux alentours de la mi-juillet que les travaux devraient débuter. C'est ce qui était prévu là, pour le soumissionnaire là, d'aller dans cette période-là. Ah, moi, je me trompe, là. Bah, au début juillet, c'est sûr qu'on veut aller le plus vite possible. Vous savez qu'en revirant de bord, il y a le dépôt à faire au primo. Et le primo, on se bat hein, pour avoir les majorations au niveau du taux de pourcentage qu'on peut avoir subventionné. Donc, le PGA faisait partie d'eux. Demain, je peux déposer donc, la demande au primo définitive parce qu'on a la résolution pour le PGA, pro. Et à partir de là, ça prend 2 semaines pour avoir la lettre de promesse de financement du MAMASH. Et ensuite, seulement, on peut faire la demande au niveau du règlement d'emprunt. Et moi, je suis déjà en lien avec le service des finances là, du MAMASH. Normalement, ça prend entre 10 et 30 jours. On est prioritaire à cause de justement ce changement, etc. Donc, je vous dirais qu'on a espoir qu'en l'espace d'un mois, on puisse avoir réglé le tout. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, l'approbation du MAMASH, que nous pouvons octroyer le contrat légalement. Donc, il faut attendre l'approbation du financement du MAMASH. Donc, d'abord, il y a la lettre de promesse. Après, il y a l'approbation du règlement d'emprunt. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut octroyer le mandat officiellement. Oui. Donc, on prévoit pour début juillet. Si tout va bien et on se croise les doigts. On a tout enligné pour ça. Alors, le temps, deuxième question. Oui, Raymond Notat, monsieur le maire, ça fait quelques mois que je viens parler du trafic lourd au Petit Pré. En date du 13 mai, il m'avait informé que finalement, il y avait une pancarte installée sur la rue du Petit Pré. Je peux vous dire qu'il y a eu une légère amélioration. C'est que, puis comme il m'avait conseillé lors de la dernière rencontre, que si je n'étais pas satisfaite de faire une plainte à la Sûreté du Québec, donc j'ai déposé une plainte à la Sûreté. C'est ce je vous remercie. Il y a eu une légère... comme monsieur le mentionnait tout à l'heure, peut-être que la pancarte n'est pas assez grande. On ne mettra pas des pancartes de 4 pieds par 8 pieds, parce qu'à un moment donné, on va voir juste ça, mais je pense que les gens, avec le temps, il y a toujours une période, je dirais, de... L'adaptation, hein? Mm. Fait que les gens, avec le temps, ça devrait s'estomper davantage, je le souhaite, en tout cas. Il y a certaines compagnies qui, quand ils ont vu la pancarte, ils ont avancé sur l'avenue Royale, ils ont reculé, puis ils sont retournés sur le bon sens. Vous avez entendu les bip-bip-bip, là, parce que vous Mais par contre, c'est surtout les compagnies qui viennent de l'Ange Gardien qui sont... C'est que, merci, ça la plaisir. Pancarte est là. Bon, ben, en espérant que ça va s'améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre dernière question sur le zoom? Oui, dans le fond, c'est une question de M. Samuel Roberge. Le moulin du Petit Pré est dans un état de laisser-aller. Cela ne va pas aller avec le temps qui passe. La Ville s'est votée un règlement pour obliger les propriétaires à entretenir leur bien patrimonial. Sinon, la Ville pourra faire des travaux. Attendez-vous que l'on se retrouve avec un château Richard à Château-Richer. On ne souhaite pas d'avoir de château Richard à Château-Richer, mais c'est sûr qu'il y a des interventions qui vont être faites là, pour
ce bâtiment-là qui est important pour nous. Là, puis on en a parlé à plusieurs reprises. C'est juste qu'à un moment donné, dans une journée, il y a 24 heures, comme on dit, puis les semaines ont 5 jours, puis on, des fois, on réussit d'en faire 6 puis d'en faire 7, mais on va s'occuper de ce dossier-là, puis il faut qu'on travaille, puis on a commencé à rencontrer et à discuter avec des citoyens par rapport à ça aussi. Donc, je parlais. Je voulais juste préciser quand même que c'est un dossier qui est prioritaire pour nous. On a approché quelques personnes pour former un comité. Je vous dirais que j'aurais voulu que ce comité soit mis en place déjà depuis un bon moment, mais avec tout le remaniement au niveau des infrastructures et les urgences qu'on a, c'est toujours retardé un petit peu, mais c'est une grande priorité, en tout cas pour la ville, de pouvoir trouver une solution et puis quelque chose qui soit pérenne et qui corresponde à la couleur aussi qui nous appartient à Château-Richer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Merci. Donc, ça m'a fait la période des questions. Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Donc, constatant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, je redonne à proposeur ou proposeuse. Je propose. Donc, Mme Simplo propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Merci.